Bien-aimés, nous sommes à quelques jours de la fin de notre cheminement vers Pâques. À environ 4 jours, on m'a dit 3 jours, pour, je dirais, une célébration extraordinaire d'une semaine que Dieu a consacrée pour son peuple. C'est la semaine que nous appelons la semaine sainte. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi avant le dimanche des rameaux. J'aimerais commencer mon petit entretien avec vous par une question. Nous sommes à environ quelques 37e jour de notre cheminement de Pâques. Où est-ce que vous êtes? Dites-vous, comment a été ce cheminement? Est-ce que vous avez rencontré Dieu dans sa simplicité de ce qu'il est, autrement dit, dans la simplicité de Dieu même? Est-ce que votre cœur l'a rencontré? Est-ce que vous êtes comme les Juifs qui ont fait la sourde oreille? Dites-vous, où est-ce que vous êtes? Avez-vous pris le temps de grandir avec le Seigneur? Et si oui, comment? Plein de choses positives. Pendant ces 37 jours, est-ce que nous t'es arrivé faire expérience miséricorde à quel sensible bon Dieu? J'ai pris le soin de bien méditer chaque jour la parole proposée par l'Église en ce temps de carême, où Dieu se fait proche. Et pas seulement proche, mais il se dit être le Dieu de tendresse et d'amour. Un Dieu qui chemine avec son peuple. Est-ce que nous te prenons temps pour nous te bailler, bon Dieu, possibilité pour le cheminer avec nous dans le temps ça? Est-ce que vous aviez eu la chance de laisser Dieu transformer votre cœur? Pendant ce temps, je me songeais au début de ce temps de carême, je me rappelle l'avoir dit, bye bon Dieu, chance pour pendant ce temps ça, ne serait-ce que pour ce petit temps que le rencontrer nous, même yon froid dans la vie nous. C'est à nous-mêmes de prendre le temps de nous évaluer pour nous dire tête nous, l'été rencontré. La parole de Dieu pour ce matin nous rejoint en ce sens. Pour que Jésus n'est pas en train de reprocher ceux qui l'écoutaient, mais surtout attirer leur attention à l'essentiel. Pour qualité belle bagaille que me fait, dis-moi pour qui ça n'a pas lapidé. Et c'est la vie courante le plus souvent. On peut tout faire de bon. Mais font-ils crasse, bagaille qui pas bon, yon froid. Ou pas qu'à vivre, ou pas doué vivre. C'est l'homme en tant que tel. L'humain est incapable d'accepter ce qui est bon au détriment de ce qui est mal. L'hypito accepter prend mal là pour détruire tout ce fait qui est bon. Autrement dit, pour le faire, détruire tout ça bon. Jésus a attiré l'attention de tous et de chacun pour demander aux Juifs qui voulaient sa mort, qui ça le fait qui mal. Le plus souvent, ce n'est pas parce que l'autre a fait quelque chose de mauvais ou de mal que nous avons cherché pour nous détruire. Mais c'est tout simplement parce qu'il ne va pas dans mon sens. Il n'est pas allé dans le sens moi, il n'est pas allé dans le sens. Il n'est pas fait exactement ce que tu as souhaité. Il n'est pas fait, ça me t'a voulu. Ou bien je suis un petit peu insatisfait de ma relation avec lui. Mes soeurs, mes frères, je ne sais pas comment je prends un paquet de temps pour me dire un paquet de bagailles. Dites-le tout, matin. Est-ce que je suis de ceux qui ricanent tout le temps contre l'autre? Ou bien qui cherchent le moindre mal dans le quotidien pour me détruire? Ou bien qui cherchent tout ça le fait qui est bon pour me battre bravo,
pour bon Dieu dans la ville. Jésus nous dit, il nous apporte la paix, il nous apporte la consolation pour le cœur, pour le corps. Est-ce que nous fait expérience ça pendant tant ça? Oublions ce qui ne vient pas de Dieu. Oublions le mal qui nous ronge le cœur. Oublions le mal qui nous détruit. Appuyons-nous sur le bien. Le bien, c'est Dieu. Pas jambes suspendues, fait bien dans la vie, nous, quel que soit le moment. Et le temps de le carême, il te bonne chance, ça. Sous Patrick Eiffel, il vous reste encore plein de jours. Dites tout pendant un petit bout de temps, ça. M'a accepté poser un acte bon envers moi-même, envers l'autre, pour me faire bon Dieu plaisir et pour me jouer une faveur. Non, mais bon Dieu.